L'Agora est l'illustration d'un rapprochement entre l'université et l'entreprise parce que nous avons une histoire commune à écrire. En fait, nous sommes complémentaires. L'université forme et donne des connaissances, des compétences. L'entreprise utilise ses compétences au niveau de l'emploi. Les familles, les lycéens, sont confrontés à la question de Parcoursup. Il y a un choix à faire au niveau de la formation, donc du futur. Donc le fait d'avoir cette plateforme permettra de se renseigner, de voir des films, des reportages sur les entreprises, sur les filières existantes, sur les filières de demain. Et donc ce sera un outil de satisfaction et d'orientation très important pour les lycéens et leurs familles. L'île Agora permettra la conclusion de projets entre l'université et les entreprises. Pourquoi ? Parce que nous devons, dès aujourd'hui, anticiper les métiers de demain. 60% des métiers de 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. Donc nous avons un gros travail à faire pour préparer les formations et les filières d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Ça sera aussi intéressant pour le chef d'entreprise qui va mieux maîtriser les aspirations de cette génération qui succède à une autre. L'île Agora est aussi un outil de connaissance des spécificités économiques, métropolitaines, mais aussi régionales. Cela permettra d'avoir des bases, des enquêtes, des informations sur les métiers, les filières, et donc permettre l'orientation, la réorientation, et aussi permettre aux futurs créateurs d'entreprises de bien mesurer les besoins et de la métropole et de la région.